Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage, je suis Nils et nous allons continuer un nouvel épisode du Lab as Code. Ce Lab as Code consiste donc en la création d'une maquette réseau et système, tout ceci avec des systèmes automatisés en infrastructure as Code et en gestion de configuration. C'est-à-dire que on a démarré avec du Terraform pour déployer nos machines virtuelles. On a utilisé un peu de Cloud Init pour gérer la configuration initiale. Et maintenant, on est en plein dans le Ansible pour gérer la configuration, en particulier en ce moment de notre serveur web. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est correct aussi. Hop. Hop, voilà, j'ai démarré un peu en avance aujourd'hui, mais si jamais vous regardez cette vidéo en replay, ça devrait pas poser de problème. Alors, comme d'habitude, un petit récap. Hop. Hey, salut Rancune. Ah, merci de t'avoir confirmé que le son et l'image sont ok, parfait. C'est très gentil à toi. Moi, je vais en profiter, parce que même si je suis en avance... Hop, j'ai eu une petite blague avec la machine qui fait retour vidéo. Donc, il a fallu que je la redémarre. Alors, allons-y. On rallume le navigateur, on rallume Twitch pour s'assurer que tout va bien. Hop, il est passé où ? Voilà, restaurer la session. Et on va passer d'ailleurs assez rapidement, hop, pendant que je m'occupe de ça, sur notre bon vieux schéma. Hop, on revient ici. Et on peut voir donc le schéma. Donc en quoi consiste exactement ce laboratoire? Eh bien en fait, on a ici cette machine, comme habituellement, hein, qui fait donc qui fait routeur, hop, et qui est aussi en fait l'hyperviseur. Qui donc contient toutes les machines virtuelles. Et on trouve ensuite, voilà, tout ce coin-là. Hop, tout ça, voilà, tout ça, c'est de la machine virtuelle. Alors, toutes celles-ci sont déployées, celles-ci aussi d'ailleurs, mais celles-ci et celles-là sont juste là au cas où. Elles n'existent pas pour le moment, on verra si on décide de les créer à un moment. Alors, on va continuer, on était en train de, les derniers épisodes, on était en train de jouer en particulier avec cette machine-là et cette machine-là. Alors, d'abord celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien en fait, celle-ci, c'est là où se trouve toute l'intelligence Ansible. Cette machine fait entre guillemets office quelque part de machine de déploiement, ou voire même de bastion. Salut à toi Yoda, j'espère que tu as passé une bonne journée. D'ailleurs Rancune aussi, j'espère que tu as passé une bonne journée. Et que... vous êtes content de ce week-end de 3 jours qui arrive, puisque j'enregistre cette vidéo le 10 novembre. Oh bah oui, écoute, une bonne journée pour moi. Et donc, la première machine ici donc, fait tout ce qui est déploiement, et on donc possède, j'ai envie de dire, tous les playbooks et autres scripts Ansible. Et sur cette machine-là, en fait, on essaye de faire en sorte d'avoir un truc un peu généraliste. Ouais, je manque un peu de voix, je crois que je me suis pas encore tout à fait remis de mes émotions des deux derniers jours, sur les 3 derniers jours, en tout cas les 2 premiers, j'étais présent au salon Paris Open Source Experience, enfin Open Source Experience Paris, et à ce titre, je tenais le stand de l'association linuxfr.org, dont je suis membre. Donc où en étais-je moi sur mon serveur? Voilà, ce serveur là, ce qu'on veut faire, c'est mettre ce qu'on appelle un LEMP, un Linux, Nginx, MariaDB, PHP. Et donc au début il y avait un premier ensemble de, on va dire, premier rôle Ansible pour essayer d'avoir un truc qui fonctionne avec une application web donnée. Et puis j'ai voulu essayer de faire un truc un peu plus générique. Et donc là on est en train d'essayer de faire ce truc un peu plus générique. Salut à toi Sébastux, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère que tu vas bien. Alors,
On va reprendre hop, notre petit Firefox. Et donc si je fais un HTTP 2.// et que je fais ISP3VPS1.example.com, je devrais déjà... Alors je sais que ce n'est pas celui dont j'ai parlé, mais celui-ci normalement a déjà... Voilà, il a déjà un site. Donc ça c'est cool. Et celui-ci, c'est pas garanti, si je me rappelle bien. Voilà, on a un 403 Forbidden, mais au moins le Nginx, lui, il est lancé. Et donc, grâce à un habile jeu de tunnel SSH, tout ça est disponible depuis mon navigateur. Ah, la journée moyenne, bah écoute, courage Sébastux, la journée est bientôt finie. Et en plus, tu vas pouvoir profiter d'un week-end de 3 jours, je l'espère. Salut à toi, Cookie! Oh, et puis en plus, Cookie qui nous met un message highlight. Eh ben écoute, ça va très bien, j'espère que tu vas bien toi aussi, Cookie, et que tu as passé une excellente journée. Ma méthode agile préférée est pourquoi? Je n'ai pas particulièrement de méthode, en fait, parce que je ne suis pas développeur. Je suis sysadmin, moi, à la base. Alors... Normalement, voilà, tout était commit, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va quand même se connecter sur ISP3VPS2.example.com. Alors, j'ai déjà fait les connexions SSH, hein, je suis déjà voilà, sur VPS1. Et l'idée c'était plus de faire un petit sudo htop. Oh bah sur le DevOps, oh j'ai envie de dire la méthode. Alors j'aurais tendance à dire pas forcément en cycle en V, non pas forcément. Là très clairement on est en mode, je tentais de dire agile au sens où voilà on y va itération par itération. Et même je pense que quand je fais mes script shell par exemple, là récemment par exemple j'avais fait un script shell au boulot, j'ai été assez agile. J'ai pas fait je fais un script, je vérifie entre guillemets tout et après ça part en prod, voilà. Ça a été bon bah on initie une première version et puis avec les retours des gens et ben on améliore et on améliore. Effectivement, j'ai pas forcément de sprint. Après, si je puis me permettre un petit, petit encart comique, moi ce que j'aime bien comme méthode, c'est la méthode l'arrache. La fameuse méthode l'arrache. Alors, est-ce qu'elle existe toujours ? Oui, elle existe toujours, la méthode l'arrache. La voici. La fameuse méthode l'arrache. Je vais vous donner le lien tout de suite. Voilà. Sébastux qui pendant ce temps nous dit « Je suis sysops et je bosse en agile malheureusement. Ah. » voilà, je vous laisserai... comment dire, je vous laisserai perdre un peu de temps sur la partie... sur ça. Alors pour l'anecdote, j'ai découvert ça il y a maintenant de nombreuses années. Il se trouvait que je l'ai découvert lors de... Vous allez rire, c'est lors d'un entretien d'embauche. J'en rigole rien qu'à y repenser. Et en fait, les membres de l'équipe que j'allais rejoindre avaient imprimé une partie de cette page, en particulier ce premier et ce deuxième schéma, et les avaient mis ils avaient, comment dire, placardé sur la porte du bureau. Voilà, c'était... Gilles, c'est mon collègue qui tient aucune deadline. Pas mal, rancune, pas mal. Pas mal, bravo. Voilà, on est en mode humour. Chiffré.info. Oh là là. On dit chiffré, pas crypté, c'est ça? Allez, c'est parti. On dit chiffré et pas crypté. Bah oui, bien sûr. Avec des explications. Voilà. Effectivement, voilà. Et oui, parfait. Bon, je connaissais pas le site, mais
Le site que j'attendais enfin. La... Ok. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, je sais, je sais aussi, à chaque fois que j'entends crypter, ça me fait un peu bizarre aussi. Voilà, hop, pour ce petit interlude humoristique. Ah oui, je sais pourquoi je voulais pas tout à fait me connecter ici. Hop. 3vps.example.com. Et un petit hop, voilà. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était revenir ici, SRV GitLab code, Ansible. On va faire un petit RM de... Ah non, c'est RM de slash tmp ansible.log. Non. Ah, il a déjà dégagé. Parfait. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir essayer de relancer notre playbook. Est-ce que c'est bien celui-ci? Non, c'est pas ici. Ah oui, bah, je suis pas dans le répertoire Ansible, c'est pour ça. Hop, Ansible. Donc, playbook, voilà. Role lem.yaml. Parfait. Bon, là, je l'ai mis en mode un peu extra-verbeux. Et, a priori... Tout est bien passé, mais j'avais lancé que la partie, que cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà reprendre tout le code ici, enfin tout le code, toute la commande. Hop, on va enlever les trucs verbeux et on va enlever le tag. On va vraiment repartir entre guillemets, enfin repartir from scratch. Ce que je veux dire, c'est juste relancer le playbook de zéro pour voir comment ça se passe. Et pendant ce temps, moi, je vais aller ouvrir mes VI pour aller continuer à éditer tout ça. Hop, donc. Rôle. Ah oui, c'est vrai que le rôle avant s'appelait DVWA. Et normalement, j'ai un rôle lamp qui traîne quelque part, non? Si, ouais, lamp. Voilà. Alors, il me faut. Rôle lamp. Je voulais prendre task main.yaml. Alors, j'allais oublier le petit moins p sur Vim. Rôle lamp. Vars, hop, voilà. Et on ouvrira le handler après. Et le requirement, a priori, on en a plus besoin. Alors, ok. Alors pendant ce temps, parce que lui, il déroule. Tout va bien, il déroule. Et donc, si je reviens ici, deux utilisateurs forcément, puisque il y a la connexion Ansible et la connexion avec laquelle on voit le petit top qui tourne, et on a un processus Python 3 qui travaille pas mal, ce qui est somme toute assez logique. Salut à toi The Vengeur. Alors malheureusement non, je n'ai pas pu garder un exemplaire du manchot en Lego. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu, il se trouve que donc lors du premier jour du salon Open Source Experience, j'ai eu l'occasion de monter en Lego un manchot et ce manchot a ensuite été un lot de tirage au sort. Enfin non, même pas tirage au sort, c'est qu'il a été le lot, un des lots de consolation pour le comment dire, le quiz du temps fort associatif qui a eu lieu le lendemain. Et donc bah, pour faire un peu d'animation avec un de mes camarades de chez LinuxFR, on s'est dit tiens, on va en monter un. Et c'est un peu sur un coup de tête, je me suis dit tiens, je vais streamer le montage en Lego du pingouin. Donc vous pouvez retrouver si ça vous amuse, vous pouvez retrouver donc le replay du montage en Lego qui a duré presque une heure et demie, je crois. Et j'ai fait ça le matin. Alors forcément, il y avait un peu moins de monde. J'ai pas forcément pensé. C'était vraiment un coup de tête. Et puis une fois que le téléphone était lancé en mode streaming et que en plus quelqu'un s'était gentiment proposé pour tenir le téléphone pour me filmer.
Et ben à partir de ce moment-là, penser à par exemple envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, bah c'est complètement passé à l'as. Mais j'en garde un excellent souvenir, j'ai passé un bon moment, j'en ai profité pour rencontrer des gens, rencontrer la communauté LinuxFR, c'est toujours sympa. Donc voilà, désolé The Vengeur. Par contre, après, normalement, si tu revisionnes un peu, tu dois pouvoir trouver la référence du manchot. Et tu pourras donc te le procurer si tu le souhaites. Alors, sachant que je n'ai pas d'action chez Lego, hein, donc. Tiens, il y a eu un fail. Oh, il y a eu un fail. Qu'est-ce qui a fail? Qu'est-ce qui a... Ah, bon, va falloir qu'on aille regarder dans les logs. Ansible.log. Fail. Fails one. Ah non. Ok. Ouais, mais du coup, j'ai pas les. Il y en a un qui a fail, mais ça l'a pas empêché de terminer, enfin d'aller jusqu'au bout, tiens. Alors. Ouais, bon, allez, hop, RM, TMP, Ansible. Voilà, et on recommence. Allez. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'on avait les histoires de mots de passe aussi qu'on voulait gérer. Alors. Non, toujours rien. Paf, 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 toujours rien. Ah là là. Ah, ici, failed. Il n'a pas réussi à lancer Nginx. Control process exited with error code. Ah, intéressant. Donc, a priori, il balance pas directement une. Systemctl. Status Nginx. Donc, il dit fail. Et pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à ouvrir. SRV 3W DV permission denied. Ah! Ça va être intéressant. Je pense qu'on va revenir sur les problématiques de SE Linux. Alors, The Vengeur. Hop, qu'est-ce que tu nous racontes? Petite histoire, tu as fait un playbook cette semaine. L'idée est d'installer tous tes programmes de productivité. Alors, ouais, alors déjà les programmes de productivité qui proviennent d'un éditeur connu en une ou deux commandes et ton employeur t'autorise à passer en Linux mais tu es salarié full remote donc l'installation doit se faire en une fois le jour où tu vas au bureau pour qu'il contrôle. Oh là là, et eh bah dis donc. Et pour qu'il contrôle quoi? Que tu as les outils de productivité, les outils comment dire, les outils certifiés d'entreprise? Pop, 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 pop. Alors donc, on a vu qu'on avait un petit souci d'installation. Alors je suspecte que c'est du SU Linux. Si je fais un sudo systemctl nginx start à mon avis. Ah non, c'est start nginx, pardon. Voilà. Si je m'assure de faire un petit ls -hl de
ce fichier-là. Il appartient à root. Ah. Bon, je pense pas que ce soit ça. DVWA. System user form. Ok. Ah non, que le disque est bien chiffré, que le BIOS est bien protégé par mot de passe. Ah oui, bah. Oh, en même temps, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est des bonnes pratiques, s'assurer que oui, le disque soit bien chiffré, puisqu'on dit chiffré, effectivement, pour en revenir à la blague de tout à l'heure. Et que, effectivement, que même le BIOS est protégé. Alors, si je fais juste ls-hlz de cet endroit-là. Oui, voilà, c'est ça. On a le petit problème du SE Linux. Voilà, c'est ça. Si je fais un ls-hlz de var log nginx. Voilà, on est en système u object r httpd. Donc ça, on l'a déjà vu quelque part, mais je crois que... Est-ce que je l'ai enlevé? Non, SE Linux, apply file context. Ah oui, c'est parce que du coup, j'ai pas les mêmes valeurs qui sont ici. Cookie. Alors, et bien sûr, il faut une distribution qui supporte Secure Boot. T'as choisi Ubuntu pour me faire plaisir. Salut à toi, The Tourist. Bienvenue. J'espère que t'as passé une bonne journée. Que tu es comme beaucoup de monde en week-end ce soir. Après, j'ai envie de dire, peu importe la distrib, tant que... En fait, j'ai envie de dire, tant qu'elle te convient, tant que tu es à l'aise avec, en fait. Je me rappelle d'un ancien collègue qui disait un système d'exploitation, c'est un outil et pas une punition. Donc, a priori, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille modifier... Salut à toi, Cool Freeze. Ah, tiens, The Tourist qui est content d'être en week-end aussi. Et Cool Freeze, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et que, pareil, comme les autres, tu vas pouvoir profiter d'un week-end de 3 jours. Cookie qui indique: j'aime aussi la citation j'aime la technologie quand elle me ralentit pas. Et c'est pas mal, c'est pertinent aussi comme petite phrase. Et VLMAT pour qui justement la punition c'est Ubuntu et qui préfère Debian. Mais il n'y a pas de souci. Alors, donc, a priori, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais repartir sur les mêmes systèmes. Hein. C'est-à-dire que l'idée c'est d'autoriser Nginx à lire... Ah non, à lire les fichiers dans 3W base, mais non. Non, c'est en fait le problème, c'est les log files. Voilà, c'est les log files. Donc en fait, il faut lui donner stype. Ok. Et donc... PCMan, faut surtout connaître des gens qui utilisent la même distrib, sinon on se sent un peu seul. C'est assez pertinent. C'est assez pertinent. Être tout seul sans sur sa distrib, c'est parfois assez difficile. Et c'est pour ça que c'est assez chouette qu'aujourd'hui, toutes les distribs, enfin toutes, la plupart des distributions, on va dire, connues, j'ai envie de dire mainstream, ont une communauté, bien entendu, anglophone et aussi une communauté francophone. Après, c'est pas seulement d'avoir, par exemple, des forums, mais c'est aussi parfois d'avoir des événements. Alors... Cool Freeze, on fait de l'Ansible ce soir et on est en train d'essayer de mettre en place un serveur Nginx PHP MariaDB pour installer un serveur web avec potentiellement plusieurs sites web.
dessus. Et pour le moment, on a une petite, petite blague avec SE Linux, puisque SE Linux est donc activé en mode enforcing sur cette machine. Et comme le rappelle The Venger, c'est une petite partie de l'infra-opérateur, avec des gros guillemets, parce que bon, hein, c'est de la maquette hein, virtuelle. SE Linux aime les blagues. Non. Hop, alors. Alors pour celles et ceux qui ont suivi les lives des autres jours, j'en profite pour vous donner quelques petites nouvelles. Vous vous rappelez du mini PC que j'avais essayé de sur lequel j'avais essayé d'améliorer la ventilation et la température. Je me suis rendu compte que, enfin, de ce que j'ai cru comprendre des soucis que j'avais eu avec et dont je vous avais parlé un peu au précédent stream. Donc a priori, on s'orienterait vers un problème de la puce physique du BIOS. Et j'ai trouvé une puce compatible sur eBay. Je l'ai commandée et elle a été envoyée en début de semaine. Alors, elle n'est pas en France en fait cette puce. Elle vient de a priori outre-Manche. Donc il y aura quand même un peu de temps avant qu'elle arrive. J'espère en tout cas que c'est bien la puce de BIOS qu'il faut remplacer et que ça passera bien après. Ce qui est assez chouette, c'est qu'a priori le vendeur a dans ses comment dire dans ses options le fait de flasher la puce avec déjà le bon BIOS. Donc normalement, ça devrait être hop, j'enlève la puce, hop, je mets l'autre et ça roule. Enfin, je l'espère. Sinon, la machine, elle marchera pas beaucoup et je serai pas plus avancé sur comment la faire marcher. Alors, en attendant, donc, j'avais déjà, entre guillemets, résolu cette petite déconvenue avec SE Linux, enfin, en tout cas, une déconvenue similaire avec SE Linux dans les premiers temps où j'avais démarré ce playbook. Et on peut voir ici qu'il y avait écrit, donc, voilà, qu'on avait ce qu'il fallait. Et, par contre, ça faisait une... Ça itérait sur une liste. Et là, maintenant, il va falloir itérer sur plus de trucs. Alors, Velmat qui nous dit l'autre jour, je voulais faire joujou avec SE Linux. Ça faisait un an que j'avais plus touché. Bon, bah, plus capable de SSH et d'y oublier d'activer l'option SSH. Alors, SE Linux, pour SSH, pour OpenSSH, tu as. Alors, sur un système Red Hat ou Fedora, enfin, bah, bref. Type Red Hat, quand tu es sur du SE Linux, ce qui est intéressant à savoir, c'est SSH, SSHD, config. C'est assez intéressant de jeter un œil à la conf d'OpenSSH parce que justement, il donne un petit indice et il te dit tout de suite que si on veut changer le port de SE Linux, il faut signaler, enfin, si tu veux changer le port de SSH, pardon, pas de SE Linux, il faut penser à justement changer le numéro de port avec le SE Manage. Voilà. Et en plus, bien entendu, il faut penser à changer le numéro de port au niveau du pare-feu. Hop là. Ah, The Venger, s'il te plaît, non. Alors, pourquoi il... Hop. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive au clavier? Voilà. Non, faut pas le désactiver. Justement, c'est ça qui fait, je trouve, l'intérêt ou l'un des intérêts de ce stream, c'est que, bah non, on pourrait juste bêtement désactiver ce Linux, mais honnêtement, ce serait dommage. Profitons-en pour voir comment on peut faire les choses proprement. Alors, donc, j'en étais à, je voudrais, pour chaque site, au final... Merci la NSA. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque le SE Linux a à l'origine été créé par la NSA. Alors, est-ce que je peux itérer sur... Je peux faire un... Peut-être un with. Est-ce que je peux faire un with avec le loop? On va le tenter. On va faire
faire ça. On va faire ça comme ça. Alors, avec les items site. Target. Ah ouais, mais non, du coup, est-ce que je peux... Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais ouvrir un petit un autre éditeur quelque part. Voilà. On va avoir donc des trucs du genre site 1, site 2, site 3, mais je sais plus où est-ce que je les ai mis. Alors. Qu'est-ce que j'avais fait? Add user for website. C'était quoi ce... Hop. Il était où celui-ci? C'était... Attends, il m'avait fait modifier quoi? Lamp vars main. Ah oui, directement dans lamp vars main. Ok. Ah, tiens, je m'étais... Ah mais non, mais je veux pas ça. Voilà, je veux recover. Et on va supprimer le... Ah oui, mais ça attend. Ah oui, c'est parce que... Non, attends, j'ai pas ouvert les j'ai pas ouvert les variables. Donc on va effacer ce fichier-là. Hop. Voilà, mieux. Ça sent l'extinction un peu brutale. Donc on a un site ISP3 VPS2 avec un FQDN. Ok, et en fait ce que je vais vouloir faire, c'est itérer dans SRV3W/, on va dire, site... point fqdn du coup ce serait web dirs point log. Ah bah non, justement pas dans web dirs. Bah je Alors, du coup, ce serait hardcodé, le répertoire log. Et on aurait... Ah oui, pardon, excuse-moi. Hop, voilà, ce sera mieux ici. Log, et on disait access.log, error.log. Mais merci à moi de l'avoir signalé. Merci à toi de l'avoir signalé, The Tourist. Hop, et error.log. Donc a priori, la target en fait, alors je pourrais dire que c'est donc, ouais je pourrais dire que c'est ça par exemple, je mettrais item là en fait. Et je dirais items sites.fqdn. Allez, on va le tenter. J'avais pas fait des trucs un peu plus haut comme ça. Ah non, c'est item.0.fqdn. Ah. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un SRV3W. Item.0.fqdn. Slash log access.log donc là faut pas que je mette site fqdn, faut juste que je mette site tiens d'ailleurs j'ai remarqué que qui était passé, oui j'ai, ah oui c'est moi qui était passé, qui
qui nous signalait justement l'histoire des distribs et que je n'ai même pas dit bonjour. Donc bonjour Emmanuel, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Item.0.fqn, c'est parce que tu as un nested. Ah oui, donc il faut que je le enlève. Hop, voilà. Là, du coup, il n'y aurait que l'access log. Il n'y aurait que l'access log. Et à ce moment-là... Alors, faut un nested. Ouais, à ce moment-là, faut un nested, effectivement. Alors, on aurait un premier qui serait les sites, effectivement. Donc, with nested. Hop. Et le deuxième. Donc on serait en item.0.fqdn et l'autre je pense que le plus simple va être de garder la partie slash log en hardcodé et la deuxième. Je sais pas si je peux mettre un loop dans un nested. Je sais pas si c'est... je ferais ça. Et je mettrais... access.log et error.log. Mais... je peux mettre un tableau dans le tableau. Alors je vois pas trop là The Tourist. C'est pas un truc qu'on a déjà fait hein. Est-ce qu'on avait fait un nested? Ah oui, directement comme ça, ok. Ok. Ah bah oui, alors là, c'est encore plus simple. Hop. Il a bouffé le saut de ligne, Twitch. Twitch mange les sauts de ligne, ouais. Ah oui, d'accord, tu voulais carrément le mettre en comme ça, en fait. Je pense. Et à ce moment-là, ici, je peux mettre... bah, écoute... Hop. Donc ça pourrait être comme ça. Hop. Et ici, on fait ça et on dit item 1. Voilà. Et à ce moment-là, le restore con, on va le laisser sur 3W base. Normalement, ça devrait le faire. 3W base, si il n'a pas été... Ah non, c'est RCV 3W catch all. Alors, dans le doute, je vais peut-être mettre RCV 3W en... Ou alors je restore con en bah je restore con avec des items. Allez hop, vendu. On va lui dire ça. Allez, item. Hop, et on lui dit est-ce que je ne me serais pas trompé du... C'est avec items, avec un S, effectivement. Et ce qu'on va peut-être lui dire, d'ailleurs, même, c'est même carrément...
SRV3W. Item. Hop. D'ailleurs, je l'avais pas déjà mis un peu plus haut. Voilà. Et ce sera site.fqdn. .fqdn. Voilà. L'autorisation de Nginx PHP à se connecter à la base de données, ça, il n'y a pas besoin de le retoucher, je pense. Donc on va pouvoir repartir. Allez. C'est reparti pour un tour. Bah oui, du coup, je me suis trompé encore. Hop là, voilà. Ah oui, mais non, mais là je suis plus dans le tag Nginx. Alors, ce qu'on va peut-être faire dans ce cas-là, c'est qu'on va peut-être mettre des tags genre SELinux, non? Qu'est-ce que vous en dites? Où est-ce qu'on avait mis les tags? On avait fait comme ça? Allez. Nanana, user, tag users. Tag users. Donc, ça, c'est du tag Nginx. Enfin, c'est pas du tag Nginx, c'est du tag SELinux. Voilà. On va remettre ça ici aussi. Voilà. Encore un ici. Et encore un là. Et à la limite même. Celui-ci, donc, on va se rajouter un petit ici. SELinux. Hop. Ici, on va mettre un petit SELinux. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Bon, il faudra quand même que je mette des variables quand même sur le à la place de slash SRV3W parce que bon, c'est un peu crado ça. C'est le hardcodé. Bon, vous me direz à la limite, ça répond à mon besoin. Et on est reparti. On va se faire un petit Ansible Playbook comme ça. Moins moins tags, on va dire SELinux. Voilà. Slash rules lamp.yaml. Ah, alors ça commence bien. Ça commence bien. Ligne 78, colonne 7. Hop là. Ah, je crois que j'ai oublié les virgules. Ouais, virgule. Est-ce que je peux mettre une virgule ici aussi? Voilà, mieux. Donc là déjà, ah il a fail, list object has no attribute fqdn, wait, what, donc c'est quand le apply file context, List object has no attribute fqdn. Non, c'était pas ça. Hop. Si, c'est sites.fqdn. List object has no attribute fqdn. Alors, on est sur le apply file context, ouais. On fait le restore con. Ah, mais oui, effectivement, j'ai.
C'est ici où il faut dire items, enfin item.fqdm. Ok. Merci, merci The Tourist. Effectivement. Hop. Ok, allez, c'est reparti. Alors, eh ben ça a l'air d'être déjà mieux. Ça a l'air d'être déjà mieux. Alors la question c'est, là, hop, si je fais un petit sudo systemctl status nginx. Donc là, forcément, il est fail. Et si je fais un petit, start, eh ben là, il ne chouine pas. Et le status me dit tout va bien. Ah, si, il y a des warns quand même. Conflicting server name. Ah. Mais la syntaxe est ok malgré tout. Bon. Eh, on avance déjà pas mal. Je pense que c'est l'occasion de committer tout ça. Alors. Pense à faire des versions stables en guise de snapshot. Oui, quand on aura une version stable. Pour le moment, je pense pas qu'on est en version stable, mais c'est pas bête. Bien vu, Cookie. Main.yaml. Git commit. Hop. Alors. J'ai envie d'écrire fix SE Linux stuff, mais oui, effectivement, si on pète tout, on sait qu'on peut revenir, c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça que je veux essayer de committer un peu plus souvent et pas juste genre faire un gros commit en fin de soirée, en fait. J'en suis pas à un point où je vais vouloir faire des commits dits atomiques, mais pour le moment. Après, tu peux revert un commit, mais c'est plus chiant. Oui, effectivement, on peut revert un commit. Mais justement, c'est comment dire, faire des commits atomiques permet de faciliter le revert. Xse Linux write for logging nginx logging nginx log. Ah bah non, je peux pas git push, c'est vrai. Hop là. Faudra que je fasse le cherry pick et le push en fin de soirée. Alors, ça c'est bon. Où est-ce qu'on en était resté? Je crois qu'on essayait de mettre en place des différents sites. On voulait templétiser ça de façon à pouvoir créer plusieurs sites de mémoire. On avait donc un premier. On avait un premier qui était le catch-all. Donc c'est pour ça qu'il chouine, le père Ansible. Bon. Et donc ensuite. La problématique qu'on avait la semaine dernière, c'était justement. Je crois que c'était lié à ça. Est-ce que il m'a déployé du coup des. Donc il m'a mis le catch-all. Il m'a mis DVWA. Il m'a mis ISP3 site. Il m'a mis ISP3 VPS2. Et je crois qu'on voulait justement. On avait mis un truc dans les variables. Pour dire, hey, au fait, certains sites, tu peux. Tu les mets pas en fait. Voilà, on avait les hosts. Et donc a priori, foo.example.com ne doit pas y être. Alors foo.example.com n'y est pas. Mais a priori, on n'avait pas forcément prévu quoi que ce soit.
On va relancer le rôle. Attends, je vais garder ça ici. Hop, SRV git labascode ansible. Hop, playbook. On va relancer le playbook en entier. Bon, faudra qu'à un moment je traite les warnings aussi, mais. Parce que voilà, il crée la partie fou, hein, la partie fou.example.com, il le met. Hein. Donc, pour le moment, tout va bien, hein, puisque forcément, on applique régulièrement nos modifs. Donc, il n'a rien à changer. Là, il passe au gros du sujet. Donc, a priori, il est en train de vérifier que les dépendances sont installées. Pendant ce temps, moi, ce que je peux faire, c'est jeter un œil à où est-ce. Ah oui, c'est à partir du moment où il create Nginx configure. Allez. Ouais, donc on n'y est pas encore puisque là il fait l'installation de Nginx. Voilà, et ah, ce loop variable item is already in use. Oh là. Alors. Et là, il a fait le MySQL. Tu loupes sur le rôle, non? Bonne question. Ah, et là, il fail au restart. Alors, pourquoi il fail au restart? Il a mis un permission denied sur le SRV foo.example.com. Alors. Alors, les fichiers sont passés en log. Et si je vais dans le foo.example.com, syscontent, log, et les fichiers, eux, sont encore en syscontent, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Alors, autorise-tu loop sur le rôle ? Si oui, la loop au niveau du rôle va définir un item, et s'il y a des loops dans le rôle, ça va se marcher sur les pattes. Ah, ok. Sur les pattes. Alors. Est-ce que je devrais pas regarder dans ce cas-là? C'est le point YAML. A priori. Ouais, en fait, ça doit faire une boucle. Ça doit faire une boucle. Que là, base.yaml. Ah non, je le mets comme ça. Étonnant. Bienvenue dans Inception.
S'il n'y a pas un inclus de rôle Nginx avec une boucle. Ah, potentiellement. Oui, je me rappelle qu'on s'était un peu pris la tête hein, sur les. Parce que là, donc on a des import roles, mais ça c'est les trucs. On a un include. Ça dans l'état Xinginx. Là, pour toi. Ah, pour toi l'include role. C'est ça. Ah oui, va items sites. Ok. Include plus with items. Ok. Ah oui, et donc on a un deuxième niveau d'item ici. Non, parce que l'item c'est bien site. Et ensuite on a item.fqdn. Ah, tu penses qu'il y a aussi des loops dans le rôle Nginx. Ok. Mais alors, dans ce cas-là, comment je gère le truc? Je l'appelle item.1. Mais qui me dit qu'il n'y en a forcément qu'un seul dans le rôle Nginx? Déjà, il y a des trucs qui sont en commentaire. Ça, pour le moment. Vu que ça, c'est le catch-all, je vais pas forcément mettre du PHP sur le catch-all. Donc ça, déjà, ça dégage. Voilà. Faut utiliser loop control pour renommer l'item de ta boucle en autre chose. Alors, Ansible loop control. Au-dessus. Et donc, alors, ah, loop var. Donc a priori on mettrait loop control, loop var outer item. Et ensuite on dirait outer item, c'est ça? Sauf que on est encore en. Sauf que là je suis encore en with items. Donc je sais pas si. A priori il me dirait de loop. Il faudrait que je lui dise loop control loop var égal il dit outer item, donc effectivement je peux mettre site. Sauf que. Ah oui, d'accord. Ok.
Et ensuite, je peux lui dire un loop. Au lieu de with item, je peux lui dire loop ici. En fait, parce que si je comprends bien, quand ils disent convertir with items, c'est juste loop en fait. Ah, faut que j'utilise loop et flatten en fait. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, au lieu de item.fqdn, je mets sites.fqdn. A priori, pas besoin de flatten si ta structure est une... Ah, d'accord. Ok, allons-y, voyons voir ça. Ça, c'est dans le tag Nginx, donc je vais peut-être juste relancer... Hop. Je vais juste le relancer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc a priori, il a changé quelque chose. Ah non, il s'est encore viandé. J'ai typoté sur le nom de la loupe var. Ah. Non, ça a l'air... Ça a l'air bon. Après, il se vautre encore sur... il doit encore se vautrer sur... sur les droits, on dirait, je pense. Hein. Il faudrait que je relance la partie à ce Linux. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Et donc, oui, effectivement, il n'avait pas encore fait la partie foobar. Donc, ceci explique cela. Maintenant, si je relance le BNU avec la partie Nginx. The loop variable site is already used. Ah, donc il faudrait que je change à nouveau le... Ah, je vais mettre outer dans ce cas-là. Hein. Outer, allez hop. Ça fait un peu long, mais. Ah, site sans... ah oui, site sans S. Bah allez, tu sais quoi? Ça a l'air pertinent, donc allez. Voilà. Est-ce que j'avais des sites tout court qui traînent quelque part? A priori non. Non. Allez. On relance le BNU. Et là ça devrait le faire. Et oui, c'est bon. Maintenant si je relance ça, tout est bon au niveau du SE Linux. Ok. Et maintenant si je relance l'intégralité du playbook, qu'est-ce
qu'est-ce que ça va donner? Oups là, reste là toi. Alors, pendant ce temps-là, ça c'était quoi? Ah oui, ça c'était les variables. Et là, on avait... Là, je suis en train d'éditer deux fois les variables, c'est pas très futé ça. Hop. Ok, donc là j'ai bien. Ah, il y a juste cette histoire de host. Mais ça, à la limite, je pense qu'on le verra dans un autre moment. Loop control, ça marche aussi avec les with trucs. Ok, bon à savoir. Merci d'avoir testé. Hop. Donc a priori, jusque-là, tout va bien. Ok. Ce que je vais aller faire vite fait. SRV 3W catch all. Remarque pas dans le catch all. Lequel. Si on revient ici et que je reviens sur cette page là, là il me balance un. Connexion échouée. Connexion échouée. Pourquoi Nginx n'est pas relancé. Ah. Alors. Bon, alors, du coup, la partie Nginx est quand même un peu longue. Je vais peut-être scinder ça en deux tags, un tag Nginx, un tag Nginx config. Mais a priori... Ensure Nginx is running. Non, toujours rien. Ah oui, et comme il n'a pas modifié la conf, forcément il n'a pas fait le notify. Oui, bon, bah écoute, on va relancer Nginx à la main. Voilà. Et là, normalement. Voilà, j'ai toujours mon 403 forbidden. ISP 3 site c'était quoi VPS VPS 2 donc effectivement forbidden permission denied Voilà. Alors. Non, toujours forbidden. Alors, si je fais un chmod 0755 sur public, c'est mieux. Mais c'est bien sur isp3vps2.example.com. Alors, open. Mais là, c'est juste la favicon. Quand même un 403.
Allez, voilà. Ok. Donc, il me faut... Il me faut que je sois en 7-5-5 là-dessus. Sur le répertoire public. Sauf que... Sauf que lorsqu'on a créé les répertoires web... Donc ça c'est les homes. Et les homes, a priori, il faudra que je les mette en 755 aussi, c'est ça. C'est ça. Donc là... zut. Hop. Ah zut, alors attends, avant de changer les droits. Ah oui, j'avais fait mes... Bon, ok. Le diff sur les commentaires... Alors, les commentaires inutiles, c'est pas grave. On va juste... On va faire un git. Commit. C'est sur quel fichier? Hop. Sur celui-ci, on va lui dire... On va lui dire... Et ensuite, à ce niveau-là, on lui dit, hop, voilà. Et là, on va lui dire que ben, on a corrigé les droits. Donc et je crois qu'on en avait un deuxième avec des histoires de droit. Non, celui-là était déjà ouais, dans les bases dire. Ah oui, mais c'est celui-là, le groupe. Non, ça c'est les groupes. Web user and home directories. Ah oui, c'est celui-ci aussi. Donc le mode ici, hop. Ah non, mais sauf qu'en fait il est pas bon ici. Potentiellement il est pas bon, il va peut-être être trop pas assez restrictif parce que du coup on va avoir les répertoires de log et les répertoires de session et les répertoires TMP qui sont potentiellement accessibles à tout le monde. Ça ne veut pas dire que les fichiers le seront forcément. Mais je vais peut-être me rajouter un truc. Hop. Fix me. Et comme de toute façon j'ai pas push, je vais pas m'embêter. Git commit, moins amend. Voilà. Donc là, normalement, on est déjà mieux. Hein. On va
va déjà être mieux. On devrait être... alors... Donc j'ai mes différents sites. Et maintenant... Donc j'ai la partie Nginx a priori. Donc normalement à partir de maintenant... Sébastux, au pire tu peux ajouter Nginx dans les groupes. Alors... Je l'avais pas déjà fait. A priori, je ne l'avais pas déjà fait. Effectivement, ce serait sans doute mieux. Ça m'éviterait de mettre des droits trop, trop relâchés. Trop lax. Trop laxiste. Ouais, on va le faire. Alors, là, il me fait la création des groupes. Là, il me fait la création des groupes. Là, il crée les web directories. SE Linux. SE Linux. Install Nginx. Donc, en gros, à partir du moment où Nginx est installé, ici... Là, à ce moment-là, on peut lui dire éventuellement « Eh, au fait, Nginx, t'as un utilisateur Nginx, donc on va ajouter l'utilisateur Nginx au groupe. » Donc... et c'est là que on va aller regarder dans la doc Ansible. Built-in group module. Pas mal ça. Group add, group del, group mode. Ah mais c'est peut-être dans le user mode qu'il va falloir que je fasse en fait. User module. Figure append. Ok, alors est-ce qu'ils ont un exemple? Ça m'a l'air pas mal celui-là. Donc il est passé où? Ah oui, je l'ai mis en bas. Pas si bas que ça. Voilà. Donc ce serait Ansible built-in user. Voilà. Name Nginx. Et en fait, on va juste rajouter des groupes. Et on va lui dire groupe. On va lui dire eh ben, que ça va être un item. Hein. Et donc on peut lui dire loop et pour loop et bah ça va être site sauf que là ce sera item point item point bah name en fait. Voilà, et dans les tags, bah, ce sera le tag Nginx aussi.
Ok. Et je vais même lui dire, j'ai même envie de lui donner deux tags, Nginx et Users. C'est bien ça, hein, c'était Users au début. Ouais, Users. Allez, on vérifie ça tout de suite. Et voilà, on a plein de rouges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Failed. Unsupported parameters for user module mode. Ah. Ah bah oui, j'ai pas testé mon truc. Et c'était où le mode? Ah, c'est parce que j'avais créé un user, donc là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Allez, c'est reparti. Ah bon, il est pas content de ça. Item avec un loop. Ah mais attends, non, c'est... Hop, c'est ici, je pense. Item.name, loop. Ah oui, loop. Non, bah non. Oh, je peux écrire with items, ouais, effectivement. Ah, attends, on va reprendre quand même le truc. Les loops. Non, surtout le loop, il est pas au bon niveau. Ah oui. D'accord. Ok, bien vu. Allez, c'est reparti pour un tour. Merci du coup de main. Alors, bah ça c'est bien repassé. Ok. Donc là, effectivement, voilà, il ajoute bien comme il faut. Et il s'arrête là. Et si jamais je relance juste le Nginx... Et il me l'ajoute. Il refait un change. Tiens. C'est marrant ça. Si je relance le tag users, juste par curiosité. Étonnant. Ah, j'ai oublié l'append. J'ai oublié le append. C'est pour ça qu'il change à chaque fois. Il faut mettre un append à yes.
Alors, du coup, je suis en train de me demander si Nginx devrait pas appartenir à un groupe Nginx de base, non? Ouais, par défaut, c'est le cas normalement. Voilà, là il appartient à tous les autres droits. Presque. Oui, si je relance le truc juste comme ça. Si je le relance, normalement il devrait être en mode rien ne changer. Ok, donc là on est bon. Et si je remonte à notre histoire de droit tout à l'heure. Hop. Bon, on va relancer ça. Parce qu'a priori c'était bien. C'était bien dans les droits, hein, mon histoire de 750. C'était bien dans les users. Ouais, dans les users. Donc là, forcément, bah, il change les modes. Donc c'est pour ça qu'il met change. Ça, c'est bon. C'est déjà fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais je reviens ici? Système CTL. Restart Nginx. Ok. Et si je reviens dans mon Firefox, hop, là on est bon, mais lui, il devrait être. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut que je change, c'est qu'il faudra que je rajoute un truc en disant, au fait, tu me passes ça en 750 de droit et tout le reste de travers. J'ai pas compris, Sébastux. Par contre, si je fais un 700, normalement, il n'y a plus rien qui passe. Voilà, forbidden. 750 de droit. Référence à Coluche et à une vanne sur les avocats. Ah ben je l'ai pas celle-là. Désolé. Désolé Sébastux. Donc il va quand même falloir que je mette chmod 0750. Alors, et il faut que je le fasse sur le répertoire home. Ah, 9 ans de droit et tout le reste de travers. Ok! Ça y est, ça, c'était le temps que ça. Ok. Droit à travers. Ok. Et les années d'études. Ok. Ok. Donc. Donc ici, bah oui, j'avais mis mode. C'était pas très futé de ma part parce que c'était le truc user. Oh, il est tard, il est tard, il est à peine 9h20. Ce qui veut dire qu'en gros, il crée les homes. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que je lui dise, au fait. Donc, file, path, hop.
system.fqdn. Ensuite, on va dire que bah, state directory. Et le mode, on va dire 0750. Et owner. Item sera item.name. Owner group. Et et on pourra mettre un loop. Salut à toi Lord Payne et bienvenue sur, sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Salut à toi Legend of Penguin. Où est-ce que j'en étais moi? Ouais, loop. J'avais fait un loop quelque part. Ouais, c'est juste que je me mets with items. Hop. Voilà. Donc ça, ça devrait être bon maintenant. Et on va mettre le tag users aussi. Donc ça, ça devrait être mieux. Alors, ok, donc ça, Lord Payne, this is a French speaking stream, or I think that's the way I configured it, so we are from France here. Yeah, ok, stream language français, c'est bon. alors, il y a juste le catch-all qui est resté en 7.5.5, mais ça, de toute façon, il fait pas partie des. Donc, a priori, si je reviens sur ici, voilà, là c'est bon. Les droits sont correctement mis en place. Donc si j'avance, ça c'est fixé. Voilà. Je pense que je vais réamender mon commit, hein. Ouais, je vais amender mon commit, allez. Ah, il marche toujours pas le point slash homelab. Enfin, le point d'exclamation homelab. Salut à toi, Jonathan. Voilà. Alors, Jonathan... Qu'est-ce qu'il est censé afficher, moi, le truc comme lab? Normalement, il est censé te donner la conf de la machine de HomeLab. Ah non, c'était pas point slash hardware? Si je tente le point slash hardware... Le point d'exclamation, pardon. Pourquoi je dis point slash? Hop, non. Ça fait un petit moment que c'est cassé, ce truc-là. Vraiment falloir que je m'y mette pour essayer de le réparer. C'est censé être chez Streamlabs. Hop. Bon, je vais peut-être pas me mettre tout de suite à le débugger en live, mais si je vais juste un petit instant vite fait jeter un œil. Qu'est-ce que c'est censé faire le point d'exclamation HomeLab? Ouais, a priori, c'est censé décrire le hardware du HomeLab.
Alors, à la rigueur, Jonathan, ce que je peux faire, c'est te montrer ça vite fait. En allant ici, hop, et on va se connecter sur la machine. J'ai pas de TMUX, c'est pas grave. Hop, un petit NeoFetch pour te signaler que donc la machine qui fait donc hyperviseur est est sous Fedora. C'est une machine assez ancienne. C'est une carte mère super micro, une carte mère serveur en X8. Donc c'est une carte mère avec un chipset Intel 5500, qui est donc la version serveur du X58, si jamais ça te dit quelque chose. Et il y a deux processeurs Xeon X5670 qui ont chacun 6 cœurs et 12 threads, ce qui me fait un total de 24 threads. Je m'étais amusé à rajouter une GTX 1070 dedans. Pour espérer faire joujou avec ce qu'on appelle le PCI Pass-Through. Je m'étais déjà amusé avec pendant quelques temps. Là en ce moment, j'ai pas forcément de projet qui en tire parti. Et puis sinon, en termes de stockage, bah écoute, il y a deux SSD, un de 120 Go pour le système et un autre d'un Tera pour stocker les machines virtuelles. Donc tout ça fonctionne sous Fedora et pour accéder à mes machines virtuelles, bah, j'utilise Libvirt. Donc là, je te montre la partie graphique, je peux me connecter à distance et je peux te faire un petit sudo virsh list. Et là, tu vois toutes les machines qui tournent. Et ben merci à toi, Jonathan, de nous rejoindre ce soir. J'espère que tu as passé une bonne journée et que tout va bien. Salut à toi, Nidouille! J'espère que tu vas bien. Alors, The Vengeur, pour le coup, non, je ne mine aucune crypto-monnaie. Je vais pas dire que j'ai jamais essayé, mais comment dire? Mais je me suis. Enfin, ça m'a jamais non plus tant. Enfin. En fait, ce qui m'embête avec le minage et tout ce qui est, entre guillemets, proof of work, donc preuve de travail, c'est qu'en fait, on dépense énormément d'énergie juste pour entretenir le système, faire de l'argent, mais sans rendre de service particulier. Donc, comment dire, en ces temps de quelque part d'éveil écologique, ça m'a semblé assez problématique de faire tourner une machine, enfin, et surtout un GPU H24 pour ça. D'autant plus que mon Home Lab d'ailleurs ne tourne pas H24. Je signale au passage que voilà, je l'allume uniquement pour les lives ou pour travailler dessus en préparation d'un live ou pas d'ailleurs. Il peut m'arriver de vouloir faire des bidouilles dessus sans que ce soit des trucs pour préparer des lives. Sébastux, non, je ne fais pas de CUDA non plus. À l'origine, ce que j'espérais faire en mettant la GTX 1070 dans le Home Lab, c'était en fait c'était avoir une machine virtuelle assez puissante pour des rendus de montage vidéo, notamment sous Adobe Premiere Pro, et de faire en sorte que en fait quelqu'un que on va dire quelqu'un que vous avez déjà vu passer en arrière-plan sur mes streams puisse depuis son ordinateur se connecter à cette machine virtuelle et faire du montage vidéo ou au moins faire des exports de vidéos. Il s'est avéré que ça n'a pas été aussi confortable qu'espéré, donc le projet est tombé à l'eau. Tout à fait, The Vengeur, c'était exactement ça, le Shadow mais en local. Mais après, comment dire, c'est une version, j'ai envie de dire, c'est une version un peu plus, on va dire, pauvre de ce que un certain nombre de créateurs anglophones, Craft Computing et Linus Tech Tips, pour ne pas les citer, ont déjà fait ou font régulièrement sur leur chaîne, notamment de proposer par exemple une machine, 4 ou 5 environnements de jeu. Donc tout à fait Nidouille, ça parle bien carte 3D en passe-through, enfin juste un petit comment dire un petit interlude carte 3D en passe-through. Et en ce moment tu vois tu t'amuses avec une Tesla T4. Tesla T4 T4. Je vois pas quelle je sais plus quelle génération c'est.
Et faire du VDI. Ouais, virtual desktop ouais. Virtual desktop, ouais. Ça. Après, j'avais fait une démo il y a peut-être un an de ça. Peut-être même un peu plus. Sur cette chaîne. Où j'avais réussi à faire tourner un jeu dans une VM. Et j'utilisais Parsec. Carte serveur qui correspond à 1060. Ah, ok. Ok. C'est juste que d'habitude, la lettre avant le chiffre, c'est par rapport à la génération. T'as les Kepler, donc les K quelque chose, t'as les Pascal, les P quelque chose. Et normalement, la 1060 et la 1070, c'est génération Pascal. Et après, il y a Ampère pour les versions RTX 2000 et les RTX 3000, je sais plus c'est quelle. Enfin bref, je suis pas non plus voilà si connaisseur que ça en carte graphique vu que je les retiens pas. Et alors les AMD, je les connais pas non plus. Ah, c'est une 16 Go de RAM sans aucune alimentation complémentaire. Ah oui, c'est pas mal. Et du coup, vu que c'est une Tesla, tu peux entre guillemets on va dire la partitionner pour comment dire pour pouvoir avoir plusieurs VM qui viennent puiser dans les ressources graphiques. Parce que je crois que c'est ça en fait. C'est autant faire juste un passe-through d'une carte graphique aujourd'hui, c'est plus un problème. Le truc, c'est vraiment de pouvoir dire, ben, ma carte graphique, elle a une certaine puissance et je veux partager cette puissance entre plusieurs VM. Et oui, c'est possible. Mais je crois que niveau licence, faut bidouiller un peu, je crois. Enfin, en tout cas, Nvidia ne le permet pas de façon simple. Ah, pour ça, faudrait que ce soit sur du VMware. Oh, punaise. Oh, je sens arriver les ennuis. Carte de calcul, c'est pas. Alors, Sébastux, je crois que oui. Ah, d'accord, The Venger. Ok, donc le T, c'est bien Turing. Ah, c'est Turing, les séries 2000. Ok. Ah oui, merci d'être allé vérifier. Ah, oh, bah, c'est cool. Voilà donc pour ce petit interlude de carte graphique. On va revenir. Hop là. On va revenir. Ah bah tiens, allez hop, on va jeter un œil. Allez, on va pas. On va regarder une dernière fois avant de terminer l'interlude. Capacité. Nanana, refuser les cookies. Fiche technique. T présentation. Allez, on va juste regarder la présentation. Ou pas, ça n'a pas l'air ultra. Oui, effectivement, il n'y a pas de sortie écran, Sebastux. Donc, à l'origine, c'est effectivement des cartes de calcul ou des cartes justement pour des trucs de type machine virtuelle. Donc, à ce moment-là, la sortie vidéo n'est pas utile. Mais des gens avaient essayé de faire des trucs, je crois que c'était. Bah pareil, Craft Computing, Linus Tech Tips, c'est un autre qui s'appelle OzTox Hardware, qui lui est plus spécialisé sur les trucs vraiment pas chers. Et ils avaient essayé d'utiliser comme ça des cartes graphiques faites pour les data centers ou pour le minage en tant que GPU pour jouer. Mais oui, voilà, faut penser en termes de ventilation à ce qu'il y ait un autre truc qui vienne souffler dans la carte graphique, sinon elle chauffe. Elle fonctionne très bien avec Plex, pas loin de 30 flux 1080p et 2 en 4K. Ah oui, pas mal, pas mal. Oui, donc du coup, t'as du ray tracing, du coup, si c'est une carte génération RTX 2000. Eh ben, il y en a qui ont. Sebastux, t'as l'air d'avoir joué avec du matériel intéressant, toi. Où est-ce qu'on en était? Non, normalement, a priori, la partie Nginx, elle est bonne. Si je savais. Oh là. Ah oui, c'est vrai, Nidouille, tu as gagné une RTX 4090. Félicitations! Félicitations.
Et The Vengeur, tu as un copain au CEA qui bosse sur les supercalculateurs, ça a l'air de lui plaire. Ah oui, effectivement, tiens, on va même en profiter pour utiliser les. Voilà. Hop, le AHPGG pour Nidouille. Donc les subs et ceux qui ont assez de points de chaîne, normalement, peuvent profiter des emojis moutons et utiliser l'emoji GG pour féliciter Nidouille. Donc, a priori, Nginx, c'est bon. Donc on a tous les fichiers de conf et même plus, parce qu'en théorie, celui-ci, on ne devrait pas l'avoir, mais on n'a pas mis de code pour lui dire, au fait, ne les mets pas. Nidouille qui essaie de s'incruster chez Atos Bulle à Angers pour l'endroit de la R&D des HPC. Oh, puis en plus, Angers, c'est un joli coin. Enfin, en tout cas, du peu que j'en ai vu. Mais de mémoire, alors je sais pas si je trahirais des secrets. Vous me coupez hein, si jamais c'est le cas. Mais en plus, ils sont Atos Bulle, ils sont peut-être pas tout à fait à Angers. Je crois qu'ils sont à côté, à Trélazé, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est loin d'Angers, par contre. Parce que moi, j'ai été qu'à Angers même. Ils ont deux sites. Ok. Alors, si ce que je vais faire, c'est que je vais du coup pouvoir. Non, je vais peut-être attendre avant de décommenter ça. Et voilà la base secrète découverte par un streamer devant 22 viewers. Oui, tout à fait, Trélazé, c'est juste à côté. Mais je me rends pas compte parce que moi, tu sais, je suis pas très voiture. Donc, je me rends pas compte si Trélazé, c'est genre 5 arrêts de bus ou 2 stations de train, tu vois. Qu'est-ce que je. L'autre site n'est pas très loin de la fac d'Angers. Ok. On papote, mais ça cote pas des masses. Oui, effectivement. Donc, a priori, la génération des confs Nginx, c'est bon. Ça, c'est ok. Gare d'Angers, Trélazé en bus, 20 minutes. Oh, bah ça va alors. C'est même plus proche que ce que j'avais l'habitude de faire quand j'allais à Angers de temps en temps régulièrement. Donc, a priori, maintenant, il va falloir s'occuper de la partie PHP. Alors, et c'est là où je suis en train de me demander comment ça va se goupiller tout ça. C'est-à-dire que j'ai des confs ici qui sont génériques. En fait, j'ai des variables. Alors, si je reprends et que je vais sur Ansible Galaxy, on va aller regarder ce que nous permet le rôle. Pop, 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 c'est le Girling PHP, je crois. Ouais, Girling.php. Alors, search. Hop, alors. Oh, il a même de quoi faire du K8S. Oh. Ça va être intéressant, ça. Alors. README. Merci d'être passé, touriste. Bonne fin de soirée à toi aussi. Je t'ai dit, il y a environ 2 lives. Jeff a un rôle pour tout. Je pense pas me tromper de beaucoup. oui, bah alors dans ce cas-là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, ici. Load full README. D'accord, il a fait les trucs pour des. Pour les, il a fait pour des certains trucs en particulier. Donc on pourra même se rajouter du même cache si on a envie.
Ok. Alors. PHP FPM, ouais, donc ça on va être en... On va être en... Ouais. Ben merci en tout cas d'être passé, Emmanuel. Bonne fin de soirée à toi. Et puis bah à bientôt, j'espère. Alors. Alors comment est-ce que je vais pouvoir positionner des variables? Si. On l'a fait, hop, on l'a fait sur le truc de Nginx. Voilà, on a mis des var comme ça. Et ensuite, on doit pouvoir lui dire, au fait, écris ça dans un fichier en particulier, non? Ah, ça, c'est le opcache conf, filename. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire quel fichier? Tu peux aussi mettre dans default ou dans vars. Alors oui, c'est Bastux, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que je vais vouloir en fait redéfinir des variables en faisant des boucles. Puisque là, par exemple, tu vois, j'ai un 3wlogdir, un w3w. Ah non, c'est pas cela. PHP, web server daemon, nginx. Ça, typiquement. Non, c'est lequel que je vais changer. Ça va être cela, les pool user et pool group, que je vais vouloir changer en fonction des utilisateurs. Pourquoi pas positionner ça selon les. Bon, ça à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas. C'est pas obligatoire. Mais ouais, je vais vouloir créer plusieurs fichiers de pool PHP en fait. Dans ce cas, tu peux le mettre dans l'inventaire. Alors là, je suis pas contre que tu expliques. Parce que sinon, j'aurais été tenté d'aller dans le main.yaml et de faire un peu comme j'ai fait pour Nginx, où en gros j'inclus le rôle. Et je loupe sur les sites. Par contre, il faudrait que je loupe, mais visiblement, les variables qui ne changent pas, tu les mets dans default et celles qui changent dans l'inventaire. Ouais, mais alors notre inventaire actuellement, il y a quoi dedans? Au pire, il y a aussi les extra vars. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les variables vont être différentes selon les sites web. Mais là, surtout, ce que j'ai l'impression, c'est que le repo de. Je vais peut-être aller jeter un œil dans le repo GitHub. Bon, ça va être la même chose. Ouais, c'est le même texte.
Là, j'ai passé. Attends. Ah oui. PHP FPM pools. To set up a new pool, add an item to PHP FPM pools list. D'accord, donc je peux le faire comme ça. Ok. Ok. Bien vu, The Vengeur. T'es mieux réveillé que moi. Donc, dans ce cas-là, c'est des années de pratique du cerveau de Jeff. ce qu'il est peut-être possible de faire. Alors non, peut-être pas comme ça. Mais dans ce cas-là, effectivement, on peut peut-être... Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si je fais un PHP FPM pools comme ça, donc il a dit qu'en gros... Ah, ok, je crois que je percute. Je vais tenter un truc. Donc, là à ce moment-là, j'utilise PHP FPM pools. Voilà. Et là, je lui dis. Je vais lui dire. Je vais dire ça et en gros ça va être pool name et ben ça va être comme ça et là on va lui dire bah, que ça va être site voilà ensuite ensuite, pool template. Ça, de toute façon, c'est www.conf.j2, mais ça ne change pas. Le pool listen, on va peut-être l'éviter. On va peut-être éviter ça. Alors, attends, comment j'avais fait sur... Voilà, il y a ceux-là, le PHP FPM. Ouais, mais ceux-là, ils vont où? Parce que ça en fait, ça vient du php.ini, si j'ai bien compris. Déjà, on va peut-être essayer d'y aller petit à petit. Donc, à la rigueur. On va faire un pool PM on demand. On va dire on demand. Alors. The Vengeur qui nous propose de jeter un œil à... Hop là. Ah oui, carrément, directement au template, oui. Et du coup, PHP, FPM, pool user. Donc a priori, on pourrait l'utiliser dans les trucs. Directement dans le... Ok, on peut les set. Donc,
En fait, la question que je me demandais, c'est est-ce qu'on pouvait les... Ah oui, est-ce qu'on... Ouais, remarque, elle s'appelle comme ça, donc allez, hop. Hop, allez. Moi, je dirais qu'on peut... On va voir. Oui, c'est vrai. Essayons. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Donc là, je l'ai mis le pull on demand. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre d'intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre d'intéressant comme option? Bon, pour le moment, déjà, ça va être pas mal, déjà, je pense. Et si on met on demand, je pense qu'il faut mieux mettre un start. De toute façon, c'est très simple, hein. ETC, php-fpm.d. J'étais en train de me demander avec le on demand. No children, ok. Et on a juste le PM max à mettre. Le PM max children, allez. Et on va le mettre à, on va le mettre à 5. Ça m'a l'air pas mal. Et on a du coup le process idle timeout, mais je le vois pas dans les... Ouais, il y a le max request. De toute façon, il met une valeur par défaut. Ok, on va laisser comme ça. Éventuellement... Ah oui, du coup, oui, c'est ça qu'il a... Il a dézingué mon... J'espérais... Alors... Le listen... Ah, et puis j'ai le préfixe aussi que j'aurais aimé toucher, tiens. Remarque, pass to $pools, slash pool. Si ça se trouve, il faudra peut-être que je refasse un template. Peut-être que je rajoute un template. On verra. Préfixe, donc le listen. Listen, ah oui, c'est le... Voilà, donc je peux mettre un socket. Je peux mettre un socket au listen et c'est très bien. Run php fpm, hop. Et c'est là où il faut que je sois intelligent. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est donc je mets le listen. Et donc je mets bien le socket. Et surtout, il faut que je m'assure que... Parce que là, c'est var run. Donc, il faut que le pull listen soit dans var run. Alors, est-ce que c'est bien? Ouais, je laisse comme ça directement. Var run php-fpm slash fpm-et là, on va mettre site. Point soc. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est mettre un tag PHP. Donc, ici, tags PHP. Et là, on rajoute un tag PHP aussi. Et voilà. Et ici, tag PHP. Tu définis des variables, mais tu précises pas de rôle à jouer. Ah, oups. Alors déjà, j'ai une erreur.
configure FPM Pools. Alors, il n'en veut pas. Probablement parce que ce que tu viens de me dire, c'est... Name. Je pensais qu'en important le rôle ici, c'était bon. Ah, il faudra que je fasse un include avec le name. Ok, et eh ben allons-y, hein, include. Alors, voyons voir ça. Le import. Passe variable to role. Hop. Bah ouais, mais vu qu'on fait un loop, on a vu qu'on pouvait pas faire de loop sur les imports et qu'il fallait faire des includes. Tu me corriges si je me trompe, hein, The Vengeur. Et c'est pour ça que sur la partie Nginx, on avait fait include role, en fait. Il n'y a pas de souci, The Vengeur. Donc, include role. Name. Ah bah, du coup, c'est... Non, toujours pas. Conflicting actions and infinite role, PHP FPM pools. Ah. Non, il en veut toujours pas. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai mal indenté des trucs. Ah, ah oui, c'est parce qu'en fait, ils sont au même niveau. Donc. Donc ça. Alors, attends, je vais vérifier comment j'avais fait avec Nginx, mais... Ça, c'est des variables. Ah, donc faut que je mette dans les vars et que... ok. Salut Pink Shark, et eh ben je suis en train d'essayer de mettre en place un serveur web avec du Nginx, du PHP et du MariaDB via Ansible dans le cadre d'un laboratoire réseau virtuel. Enfin, on peut dire d'une maquette, plus qu'un laboratoire. Donc il faudra que je mette vars et que j'incrémente le tout. Enfin que j'indente le tout. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà. Alors, configure FPM pools et il a rien fait. Et il a rien fait en fait. Nginx, c'était passé include role loop control loop et ensuite var et on met les
Je vais le faire en un peu plus verbeux, hein, on sait jamais. Je serais même tenté pour aller plus vite de lui dire, au fait. Tiens, on va juste faire ça. Ce qu'il va aimer. Alors. Un. Non, il m'a pas fait de fichier de conf. Bon, ça c'est les extensions. Ouais, je vais le remettre. J'espérais aller plus vite comme ça, mais non, il me le faut. Hop, alors. Allez, c'est reparti. Alors. Je suis en train de me dire que à la limite, ce que je peux peut-être faire, c'est faire. Il est ici. Non, pas ici. Faire ici. Ça paraît beaucoup plus évident du coup. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas beaucoup plus compréhensible. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être mettre tout ça en commentaire, mais. Mais un peu ennuyeux. Ça, si ça se trouve, pour le moment, il vaudra peut-être mieux le mettre plus loin, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le tag en fait. Ça va aller mieux comme ça. Ça, c'est, on va dire, PHP FPM. Et ça, ce sera PHP, on va dire, MISC. Hop. MySQL. Hop. Voilà. Et donc, PHP FPM. Alors. Alors Pink Shark, la cyber, ça m'arrive de faire joujou avec. On va dire que je suis un peu éclairé, mais clairement pas expert. Alors. A priori, il a pas l'air de faire grand chose. Il a pas l'air de faire grand chose. Alors, comment on avait fait avec Nginx? On a fait un include role avec un name. On a fait le loop control. On a écrit loop. Ensuite, on a fait vars. On fait include avec le name, loop control, loop, vars, php fpm pools. Donc lui après, moi après, je fais le nginx machin. Tac, template, ouais. Pool name, pool template.
Tu aimerais devenir pentester, mais tu sais pas par quoi commencer à apprendre en tout direct. Alors, Pink Shark, il y a un certain nombre de sites internet qui te permettent de te lancer sur ce sujet en autodidacte. Je vais prendre quelques instants pour te les montrer. Hop là. Tu as pop, 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 pom, Tryacme. Voilà, tryacme.com. Comme le dit Vengeur, tu as RootMe aussi. Hop. Tac, tu as aussi Hack the Box, si je me rappelle bien. Voilà. Je t'invite à te créer un compte sur ces trois systèmes, enfin ces trois sites, à t'installer une Kali Linux en machine virtuelle. Ah, deviens Timon, tu as enlevé le Z de mon pseudo. mais donc, Pink Shark, ouais, tu peux te créer un compte gratuitement sur ces trois sites. Et tu te crées une machine virtuelle Kali Linux, et puis tu peux commencer, en fait. Donc, je suis un peu embêté parce qu'a priori, en termes de syntaxe, on est comme pour. Alors, je sais plus s'il y a un notify sur les trucs de Jeff Gerling. Bah, je t'en prie, Pink Shark, à ton service. Pas sûr que ça va forcément aider, mais ah, voilà, il est pas content. 200. Ah oui, faut que je l'indente. Ouais, bon, ça change rien. Ça change rien. Et de toute façon, ici, il n'y a rien toujours. Bon, on va se donner 5-10 minutes et si ça veut pas, je pense qu'on lâchera l'affaire pour ce soir. On essaiera de reprendre ça jeudi prochain avec un comment dire? Un œil neuf. Si on le commence en début de soirée, peut-être qu'on trouvera quelque chose. N'y avait pas de truc en particulier. Pour comprendre ce que tu fais, il faut. Ah oui, pardon. Pardon, Pink Shark, j'avais même pas vu ton message. Alors, est-ce qu'il faut avoir une bonne compréhension? Ouais, il vaut mieux avoir une bonne base en système Linux, effectivement. Donc, là, sur la partie Nginx, a priori, ça marchait. Enfin, ça marche toujours d'ailleurs. Mais.
Oui, tout à fait. Sur Try Acme, tu peux apprendre les bases de Linux. Voilà, et en plus je me mets à bâiller. C'est pas forcément très bon signe, ça, hein? Sébastux, Open Classroom propose des cursus en cybersécu? Ou c'est juste pour la partie les bases de Linux? Linux, ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne change rien? Alors, ce qui m'embête, c'est que du coup, avec le mode ultra verbeux, ça c'était l'erreur. Il fait des échos. Role complete, mais je comprends pas pourquoi il dit role complete. Enfin, il m'affiche rien. Le vilain, il m'affiche rien. Je lui ai demandé d'être ultra verbeux, il m'a affiché tout plein de trucs, sauf ce qui m'intéresse. Est-ce que je peux faire une tâche debug qui loupe sur site, qu'on voit ce qu'il y a dedans? Bah écoute, si tu peux me guider sur la tâche debug, parce que pour le coup. Pour le coup, je dois avouer que je suis pas habitué au debug avec Ansible. Utilise le module debug. Alors, il y a un module debug. Ok. Hop. Ah oui, alors le paste. L'occasion de vous signaler que ce paste est bien entendu ouvert à tous et que vous pouvez en profiter. Pink Shark, oui, j'ai un planning de stream. Habituellement, c'est les jeudis de 20h à 22h. Là, je fais un petit peu d'extra parce que, bah, de toute façon, il y a un jour férié demain. Et sinon, le dimanche de 18h à 20h. Et je fais différents trucs entre le jeudi et le dimanche. Là, dimanche dernier, on a commencé un nouveau projet à base de PyHole. Alors, moi j'en étais où? Module debug. Ansible. Debug module. Hop là. Ok. Print statement during exécution. Ah! Alors, en gros, il donne. Oula. Allez, hop. Et on va voir ça. Qu'est-ce que tu nous as proposé de beau? Faut juste que tu mettes la bonne loupe. Bon, ça m'a l'air pas mal, ça. T'avais pas le code en visu. Ah, bah alors, attends. On va corriger ça. Hop, alors on va réindenter. Alors, si on a un var site, donc ça c'est plutôt bon. Loop control, loop site. Si, ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça, The Vengeur. Allons-y voir. Hein. Loop var en dessous de loop control. Ah! Oui, Pink Shark. Ma machine là est sous Linux.
Ma machine de stream est sous Linux, même ma machine de lab avec ma machine virtuelle est sous Linux. Et donc tu me disais... Hop. Ah, il y a peut-être un souci avec ça, effectivement, ça risque de partir en loop var en dessous de loop control. Ah, ici, loop var comme ça. D'ailleurs, ce sera loop underscore var. Hop là. Ah, et du coup... Non, comme ça. Ah, et puis en plus j'ai oublié le tag. Ah, oui. Oui, j'ai fait des études. Je suis allé jusqu'à bac plus 3. Et je voulais rajouter le tag PHP FPM. Hop là. J'ai fait une licence pro, alors qui a changé de nom depuis. La licence pro s'appelle Assure maintenant. Alors, hop, on va y aller, on va tenter ça comme ça. Voilà, mieux. Enfin mieux. Variable is not defined. Ah, qu'est-ce qui manque? Il manque une variable visiblement. PHP false. Oui, mais ça à la limite pas. Ah, c'est que du coup il manquerait des. Eh mais attends, je suis en train de me dire un truc là. Je peux faire des when. Je peux faire un when, voilà. Quand PHP est à true, en fait. Quand ici, site.php est égal à true. Alors, vars loop. When, alors le when on va le mettre comme ça. Et donc site, voilà, on va dire comme ça. Hop. Alors, faudrait lui donner site.host ou un truc du genre. Site.name plutôt. Ou site.fqdn. Oui, ce sera site.name, effectivement. Oula, ouais, dans pool name. Voilà, attends. Ouais, dans pool name. Site.name. Voilà. Alors, Pink Shark, dans les chaînes YouTube qui te permettent d'apprendre, je te recommande celle de Yves Rougy.
fait des trucs sympas. En français, en tout cas. Sinon, plutôt des chaînes en anglais. Et sur les autres aussi. Pool Group, Pool Listen. Alors, attends. Ah bah oui. Donc, site.name. Oui, effectivement. Hop. Alors, Xavki, pour le coup, j'ai pas encore regardé. On me le recommande de nombreuses fois, mais j'ai pas encore regardé. Donc j'ai pas d'avis sur la question. C'est une machine à tuto, ok. Eh ben allez, c'est parti. On tente. Ah, je me suis viandé. Ah oui, sur le WEN. Ligne 207, colonne 25. Hop. Et là, loop, hein, la loop, elle est toujours sur site. Bah non, c'est du coup c'est site.php. Voilà. Non plus. Peut-être les côtes, effectivement. Sans les braquettes. Sans les braquettes. Ok. Ou pas. Ah, et avec des simples côtes. Peut-être. Ceci étant, l'exemple de Gerling, quand il dit when, voilà. Hein. Ouais, il met même pas de côte en fait. Voilà. Hop. Hop là. Ah zut. Voilà. Alors, si on enlève. Ah. Est-ce qu'on aurait réussi? Non, toujours pas. Bon, attends, là ça m'embête un peu. Voilà, juste deux. Donc il dit quoi? Il redit qu'il y a encore une variable qui n'est pas définie. C'est bien, on avance au moins. Merci beaucoup, The Vengeur, en tout cas. Alors, où est-ce qu'on a encore une variable qui n'est pas définie? Qu'en fait, il se plaint d'une variable pas définie. ISP3 VPS2. Is undefined. Qu'est-ce qu'il me dit? Ansible loop var site.
Alors, il dit Ansible Luftwaff site. Pool name site.name, c'est ça? Pourtant. Site.name. Host. Pourquoi il y a un Ansible loopvar site virgule foo où avant il met dvwa. Là j'ai du mal à voir où est-ce qu'elle est, où est-ce que sa variable est pas définie. C'était bien name hein. Et en plus il comprend bien site.php. On dirait qu'il interprète la valeur d'une variable comme une variable. Oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. Enfin en tout cas avec toi sur ce point. Bizarre, bizarre. Alors la question que je me pose c'est où est-ce qu'on place exactement la boucle Sébastux et The Vengeur. La boucle, on est d'accord qu'on la place généralement au niveau du nom, de la tâche. Parce que je me demandais si on pouvait pas la placer à l'indenté de façon à être après les variables. Mais je pense pas que ça fonctionnerait. Parce que dans ces exemples, ouais, il le dit, hein, to set up a new pool, add an item to a PHP pool. Bon. L'ordre ne compte pas, ok. Ah non, je pensais pas à l'ordre. Je pensais justement à l'indentation, en fait. Je pensais à faire... On va le faire, hein, de toute façon, au point où on en est. Je pensais enlever ça ici, et... Voire même, en fait, ça... Le mettre là.
vais le mettre comme ça. À mon avis, il va chouiner sur l'indentation, je pense. Ou pas. Ouais, non, toujours pas. Toi, tu as un vrai doute sur la loupe, tu sais pas faire. Il y a une histoire d'inner var à outer var que tu comprends pas. Alors en fait, Sébastux, le problème, c'est qu'a priori, on a une variable qui n'est pas définie. On a une variable qui semble ne pas être définie. Alors là, il nous dit foo. Là, il va nous dire dvwa, is undefined. En fait, on dirait qu'il prend comme nom de variable le nom, la valeur site.name, en fait. Oh, je vais tenter un truc à la con, tiens. Non, il n'y a pas écrit YOLO nulle part. Non, bon. Bon, et bah du coup, je pense que je vais en rester là pour ce soir parce que là, vraiment, je commence à avoir les yeux qui se croisent et je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait. Sites. Non mais franchement, on a mis la même que côté Nginx. Non là franchement, je suis complètement perdu. Donc mieux vaut dormir dessus à la limite. Et on verra sans doute avec un œil neuf comment les choses fonctionnent. Eh ben, je vais repasser sur hop, ça. Et mine de rien, on a quand même pas trop mal avancé. Parce que on a aujourd'hui la partie Nginx qui est, on va dire, quasiment fonctionnelle. Il faudrait que je rajoute le module debug à mon tag. Si, il y est. Il y est. Pense à commit, ça m'a turlupine ton truc et à push. Ah, ouais, alors. Je vais committer ça. Alors, attends, je vais revenir. Hop, comme ça. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Hop. Voilà. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? Eh ben, pool FPM. Allez, hop. Alors, oui, Nidouille, un jour ce sera sur ma chaîne YouTube. Quand, je ne sais pas. Mais un jour, peut-être. Hop.
non, là du coup je ne fais pas de git push. Je vais dans mon la base code et si je me rappelle bien, cherry pick. Ah oui, j'avais pas fait un fetch. Si. Non, c'est pas celui-là. Non plus. Bon, allez. Faire ça. Et puis on va. Cherry pick. Hop, celui-là. 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 Et celui-là. Hop, voilà, et je push tout ça. Voilà, c'est parti. Comme ça, The Vengeur, tu vas pouvoir regarder toi aussi. Hop, on arrive, voilà. Bon, est-ce qu'il y aurait par hasard quelqu'un à raider? Alors moi, je suis pas sûr d'avoir grand monde dans les... Ah, mais si, tiens, il y a Virtual Abs. Il y a Virtual Labs, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé le voir. On va pouvoir aller lui faire coucou. Voilà. Bon. Et ben restez là quand même pour le raid. Et puis et ben, sinon, bah, comme d'habitude, hein, donc je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Comme le signalait Nidouille, bah, de temps en temps, quand je peux, je remets les vidéos sur la chaîne YouTube. Entre les streams, ouais, ou 22h39 parfois, ouais. Entre les streams, bah, y a les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur anotherhomepage.org. Sur le serveur Discord, les adresses sont en dessous. Je vous fais des gros bisous. On va lancer le raid et on va aller profiter du week-end. Je vous dis bye bye. Restez quand même pour le raid. Allez. Moi, je vais mettre la petite page de fin. Allez. Ciao, ciao.